get that on film, please. All right. Yeah. Du ski, bon maintenant elle a un petit peu changé, mais t'as l'impression que... Attention. On a testé combien, 4-5 vélos. Et c'était un vrai pied quoi. On a bien pris plaisir. Honnêtement, c'est super. Bon, ça fait la troisième fois que je l'ai fait. En plus, le temps est génial. Et les organisateurs, tout était bien organisé, c'était super. On sait que pendant 2 jours, on va faire du vélo, on va où on veut, on est entre potes. Et c'est vrai, ça plaît. Et on va dire que je pense que c'est les nouvelles tendances, parce que dans un monde où on est un peu stressé, souvent, on vient, on se détend et il n'y a pas de notion de compétition. Les gens ils s'amusent, ils descendent sur des pistes ludiques, faciles, où c'est vrai quand on a un peu de niveau, c'est pas forcément là où on s'amuse, mais eux, c'est à leur niveau, ils s'éclatent. Les Portes du Soleil, c'est quand même assez impressionnant, le nombre de stations que ça regroupe. L'année dernière, on était à Morzine et c'est vrai que c'était un super événement. Ici, Châtel, je connaissais pas, c'est la première fois que j'ai roulé là sur les pistes et j'étais vraiment bluffé par la qualité du travail. Donc je pense vraiment qu'on commence à se rapprocher de ce qui se fait au Canada, comme à Whistler par exemple, qui est un peu la mecque du VTT. À l'heure actuelle, où beaucoup de stations se lancent dans l'aventure du VTT, le domaine des Portes du Soleil a depuis plus de 15 ans pris ce chemin, si l'on peut dire. On assume complètement le leadership aujourd'hui au niveau même mondial. On a vraiment un terrain qui s'y prête avec des vallées qui sont complémentaires, plus de 650 km de pistes balisées. Le tour VTT des Portes du Soleil, c'est 80 km. On touche 24 montées mécaniques quand même. C'est unique en Europe, c'est unique au monde. Il n'y a aucun domaine aujourd'hui qui propose autant de remontées mécaniques pour faire du mountain bike. On ne pensait pas bloquer les compteurs à 4500 aussi rapidement. D'ailleurs, une petite news, pour l'an prochain, on va rajouter un troisième jour et ce troisième jour va nous permettre certainement d'arriver à 6000 participants. Comme tous les événements, la Passeport a commencé petit. Il y a 7 ans maintenant qu'elle a pris ce nom dans les Portes du Soleil, ici, Passeport du Soleil VTT, et maintenant Passeport du Soleil MTB. Donc il y a 7 ans, on a commencé petit, on partait un peu dans l'aventure, et puis pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, donc avec 4500 participants cette année, on ne peut pas faire plus. Hyper typique et atypique en même temps, justement de pouvoir découvrir les paysages français et puis passer en Suisse avec une autre ambiance, une autre nature, une autre architecture aussi dans les bâtiments. C'est tout le charme et puis après les passeporteurs le découvrent avec des ravitaillements qui sont différents, des ambiances différentes. Voilà, c'est vraiment ce qui est typique chez nous.